c'est là où il faut venir boire des bières. Voilà, Sainte-Croix. Donc là, on est dans la rue de la Juiverie, Havana Café, La Salsa. Tous les restos, c'est ici. Voilà. Ici, c'est la teuf. C'est la teuf toute l'année. Voilà, on peut voir un peu l'empreinte bretonne. Les maisons de colombage. Voilà, voilà. Voilà, l'église Sainte-Croix avec les trompettes là-haut. Ce qui est sympa de mémoire, c'est que tous les jours, ça fait une mélodie différente. Voilà, on va pas rentrer dedans, hein, je vous laisserai le découvrir. Et à Nantes, il y a même un Starbucks Coffee, voilà, pour les gens qui aiment bien. L'immeuble qui a dû être détruit pendant les bombardements de je sais plus quelle année, 44, 45, je mettrai les liens. Voilà, fallait que je vous montre ça quand même, les vignes du Bouffay. Donc il y a des vignes, je pense que c'est du muscadet. Hein. Donc cette vigne fut plantée le 21 mars 1976 par les maires de la ville de Nantes, la commune libre de Montmartre et la commune libre du Bouffay. Donc là on est à Bouffay évidemment. Hein. Donc, voilà, la mairie est là, commune libre du Bouffay. Alors on va aller voir un autre truc, c'est le confluent de la Loire et de l'Erdre, tant qu'on est ici. À cet endroit, on est pile poil au confluent de l'Erdre qui arrivait ici. Donc l'Erdre, donc ils ont tout comblé, hein. Maintenant ça s'appelle le cours des 50 otages. Parce qu'en fait ils ont creusé un canal et puis c'est un Allemand qui a fait ça, l'architecte. Et puis en fait les résistants ont assassiné cet Allemand qui était devenu colonel ou je sais pas quoi. Et en représailles, ils ont fusillé 50 otages au pif. Voilà. Et la Loire passait ici, quoi, voilà. Tiens, allez, je vais aller sur la Loire, hein. L'ancienne Loire, voilà. J'y suis donc à droite, on a l'île Feydeau, qui est plus une île maintenant, mais voilà, on peut remarquer, je vais peut-être aller vous montrer, que les immeubles sont de travers, parce qu'en fait, ils sont construits un petit peu comme à Venise. Et donc bah, là, c'était toutes les maisons des armateurs négriers, qui habitaient ce quartier-là, quoi, qui est pas mal, quoi. Donc là, c'est la trame commerce, il faut s'arrêter ici, il y a le palais de la Bourse là-bas, je sais pas si on pourra tout voir aujourd'hui. Hein. Bon, allez, on continue la visite. Voilà la rue Kervégan. Donc tous les immeubles hein, sont un peu de traviole. Parce que ici, en dessous, c'est des terrains marécageux. À l'époque, c'était une île. Donc, tous ces immeubles sont bâtis, les fondations, c'est des gros piliers de bois qui rentrent dans le marécage, comme à Venise. Voilà, pour la petite histoire. Voilà. Si vous ne saviez pas, Jules Verne est né à Nantes, dans cet immeuble, le 8 février 1828. Voilà. Donc là, il y a le tramway. De l'autre côté, bah ça doit être un immeuble qui a été détruit pendant les bombardements. Bah celui-là aussi. Voilà, voilà. Cour des 50 otages, la Tour de Bretagne. Il y a l'autre quartier là-bas, je sais pas si on va le faire aujourd'hui. Là, j'irai bien dans un bistrot parce qu'il pleut, ça caille. Donc voilà, voilà. On tourne et hop, ça c'est la mairie de Nantes, l'hôtel de ville. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est assez immense parce que ça va jusque là-bas en haut de la petite rue qui est là, ça fait tout le tour. Et puis ici il y a la rue Saint-Léonard, voilà ça s'arrête là et derrière il y a un parc. Voilà quoi, tranquille, tranquille. Et pour vous situer... En fait, la Tour de Bretagne, elle est juste là. Voilà, je sais pas si on la voit. Hop, et la cathédrale est ici. Donc ça, c'est l'arrière de la préfecture. Ici, on est sur le monument, le cours des 50 otages. Donc vous voyez, l'Erdre, elle arrive ici. Et puis en fait, à l'époque, elle allait par là-bas, quoi, sur le cours des 50 otages actuel. Et ils ont construit donc le fameux Allemand qui s'est fait buter par la résistance. Voilà, il a construit ce canal, ce qu'on appelle le canal Saint-Félix. Voilà, canal Saint-Félix, pourquoi, je sais pas. Saint-Félix, c'est la paroisse, c'est un quartier qui est juste derrière là-bas. Là, on est sur le pont de Saint-Miel, un vieux pont en ferraille, en acier. Voilà, c'est ici, c'est la teuf, pendant les rendez-vous de l'herbe, je sais pas si vous connaissez, c'est un festival de jazz. Voilà, puis bah, y a quelques péniches sympas, des petits bateaux un peu de Loire, il y a même des gens qui habitent dessus, je pense des étudiants, des trucs. Voilà.
Voilà, voilà. Bon, allez, je vais récupérer la voiture. Ah oui, et le monument aux morts. Et puis on se retrouve avec Louis XVI. Voilà, un des derniers. Je crois qu'il doit en rester deux ou trois en France. Voilà, il est de dos, hein, pauvre pépère. Et puis bah ici, on est sur Cour Saint-Pierre. Donc c'est là où il y a la foire foraine, les manèges et tout ça. Un petit peu ici aussi, Cour Saint-André. Voilà. Et puis bah là, je crois qu'on va continuer la visite, mais en voiture, parce que franchement, il est trop.